Et Marpa propose des logements individuels et des espaces de vie collectifs. Imaginés par la Mutualité sociale agricole, ces lieux de vie allègent le sentiment de solitude et permettent aux personnes d'être accompagnées dans les tâches quotidiennes. De petite taille, le fonctionnement des Marpa implique largement les proches des personnes et reste ouverte sur l'extérieur. Des activités collectives peuvent être organisées en fonction des attentes des résidents. Beaucoup de personnes âgées sont éloignées de l'informatique. Les outils numériques, comme les tablettes tactiles, sont pourtant de précieux atouts pour maintenir les liens avec les enfants, les proches, qui parfois habitent très loin. Sur proposition de la MSA 4485, une expérimentation avec 5 Marpa a débuté fin 2017. Deux animateurs numériques de la Fédération des centres sociaux de Vendée ont organisé et animé des ateliers d'initiation à la tablette tactile. Les résidents, curieux de découvrir cet outil, ont participé aux 6 séances qui composent l'atelier. Prise en main de la tablette, photos, jeux, musique, découverte des mails et d'applications de mobilité ou d'actualité. À chaque atelier, c'est un moment convivial de partage et d'échange ouvert sur l'extérieur. Selon les projets, les proches des résidents peuvent participer aux ateliers ou encore des habitants de la commune qui souhaitent, eux aussi, s'initier à l'usage de la tablette tactile. Après les ateliers, les tablettes restent sur place et les résidents peuvent ensuite venir s'en servir librement.